Il est digne d'honneur, notre roi. Il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir, un avenir à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vie dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre sans bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat de cœur meurtri. C'est encore possible, c'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page. Construire ce beau pays. Il y a de l'espoir, de réussite pour cette nation bénie. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus.
capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Nous lisons notre premier passage. Nous lisons Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 25. Nous parlons de l'impact de la connexion. Notre thème de ce matin, c'est l'impact de la connexion. Le seul fait que la connexion peut apporter dans une vie. Alléluia. Avec Dieu, on a dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est devenue Dieu. Oh, mais hier, la parole seule ne peut pas devenir Dieu. Mais la parole est devenue Dieu parce qu'il s'est associé. Ce matin, cherche à associer Dieu dans ce que tu fais. Des fois, tu as beaucoup pris des décisions seules. Alléluia. Regarde un peu ta vie depuis que tu prends des décisions seules. Est-ce que tout marche? Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Oh, nous devons savoir demeurer, chef de Seigneur. Si vous demeurez, nous allons lire beaucoup aujourd'hui. Et nous prenons en face. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 27. Comme on dit aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus. Lisons quand même la naissance de Jésus. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Matthieu chapitre 1, 18 à 25, oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Se trouva enceinte. Oh là, c'était dans le monde du bagarre. C'était terrible. Frère Philippe, toi, tu es fiancé d'une sœur. Oh, bon, tu es déjà marié. Qui n'est pas encore marié? Le frère Lévi est fiancé d'une seule. Et pendant qu'ils sont en train de faire leur fiançaille, la fiancée va se trouver enceinte. Quoi? Ça, c'est catastrophique, ça. Il se trouva enceinte. Joseph même a voulu. Non, allons-y, vous allez voir. Moi, vas-y. Avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, un bon garçon, un garçon digne de son nom. Et qui ne voulait pas la diffamer. Et qui ne voulait pas la diffamer. Salir la réputation de Marie. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Il dit à Marie, là, s'il te plaît, arrête-toi. Dans les calmes, je ne vais pas aller dire aux gens ceci, cela. Mais entre les deux, allez. Ah là là, ça a troublé la fille. Marie a été troublée parce que Marie aimait Joseph. Mais comment maintenant, moi, Dieu m'a dit que je vais donner tout ça par le Saint Esprit. Mais maintenant, mon mari me laisse. Vas-y, qu'est-ce qui arrive à la fin? Comme il y pensait. Comme il y pensait, Joseph était dans la réflexion. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut. C'est pourquoi nous devons raisonner dans la vie. Amen. Réfléchir dans la vie, c'est très important.